Londres, 31 décembre. Il est 8h du matin, je me sers un thé d'Argelin et m'installe au bureau, dans notre chambre. Comme avant les smartphones et les tablettes, je sors une pile de feuilles vierges. Cette fois, je ne les asperge pas d'eau de toilette. Nonchalamment, j'insère une cartouche d'encre dans le corps du Mont Blanc que tu m'avais offert. J'ai décidé de t'écrire, mais bon, pas pour te supplier de revenir. Tu as choisi de partir, je respecte ta décision. Mais j'aimerais que tu prennes conscience de la cacophonie que tu as installée dans mon âme. Un vrai comble pour un mélomane. Ma vie n'a plus aucun sens. Tu es parti d'un coup de tête, j'ai réagi d'un coup de boule. Je sais, c'est pas cool. Et je le regrette. Cet hiver, à Londres, tout seul dans la pénombre, dans les rues mortes, rien ne me réconforte, des heures à me morfondre. Nos amis quepons de Chelsea essaient en vain de me dérider, mais je ne peux plus kiffer leurs partous et leurs beuveries. Même les noctambules de Mayfair, à moi les petites anglaises, reine de la nuit, princesse de la baise, j'en ai plus rien à faire. Ton esprit est partout, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, je suis désespéré, je suis seul et j'ai froid. Je crois que je vais devenir fou. Cet hiver, à Londres, je me gèle le concombre. Dans les rues mortes, la cohorte des ombres m'emporte et je m'effondre. Je vais finir à Trafalgar Square avec ces milliers de pigeons, à chier sur des touristes à la con. J'entends déjà l'amiral Nelson se foutre de ma poire. Moi, je ne suis même plus un touriste, plutôt un alien qui ne sait plus d'où il vient. Plus de job, avec la société, plus aucun lien. C'est peu dire que mon quotidien est triste. J'ai même pas le courage de me jeter dans la Tamise. Je ne suis plus qu'une poupée de chiffon qu'un marionnettiste un peu bouffon aurait oublié dans sa remise. Cet hiver, à Londres, comme la neige, je me sens fondre. Dans les rues mortes, au milieu des décombres, je sens que je sombre. Dernier paragraphe, un post-scriptum qui sonne comme un ultimatum. Cette lettre est une épitaphe. Je ne te fais aucun reproche, mais en relisant ces quelques mots, je vois ma vie partir à volo, dire que nous étions si proches. Comprends-tu que je succombe ? Si tu ne réagis pas, ce n'est pas à Trafalgar que tu me trouveras, c'est dans la tombe.